Et coucou coach, comment ça va? Comment vas-tu ce soir? Je ne sais pas s'il y aura grand monde d'ailleurs avec la fête de la musique. Cet après-midi, hors live, j'ai un petit peu farmé des virevoltants dans le désert, puisque c'était ce qui nous manquait beaucoup. Pour upgrade le filet, etc., etc. Donc voilà, plutôt que de faire la chasse au virevoltant en live, j'ai fait ça tout à l'heure, là, dans l'après-midi. Plus de voix, mais ça va, et toi? Ah merde! T'as trop chanté? Ben, moi, ça va bien. Je suis sorti cet après-midi encore pour aller lire un peu sur le bord de mer. Par contre, il faisait super chaud, du coup j'ai lu quoi, une vingtaine ou une trentaine de pages et je suis rentré. Je suis rentré prendre une douche parce que je sentais la chèvre tellement, tellement il faisait chaud et tellement j'ai transpiré. Bah let's go du coup. Let's go, let's go. Ouais, du coup j'ai amélioré l'arc à fond. J'ai amélioré le filet. Qu'est-ce que j'ai amélioré aussi? Voyons voir. Ouais, j'ai amélioré l'arc deux fois, donc à fond. Lui, je sais plus si je l'ai augmenté une fois. Ou si j'ai pas pu. Lui, je l'ai augmenté aussi. Je crois que c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Et du coup, au niveau des améliorations, j'ai remarqué qu'il nous fallait une perle d'ombre. Sauf qu'on est dans la merde. Parce que les perles d'ombre, c'était dans les psyllis qu'on les récupérait. Et j'ai validé les trois. Donc, à moins qu'il y en ait une autre, j'ai bien peur qu'on l'ait dans l'os. Donc bon. Il me faut encore un crâne décoratif, il me semble, pour une amélioration. Et il nous faut 2-3 larves de guêpe. D'ailleurs, on va en profiter, vu que là c'est guêpe mojo. On va, je pense, aller dans la forêt pour récupérer des larves et des guêpes. Et ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Hosto pour un plan de traitement, le chaud, froid, humide, sec du jour m'a cané. Ah merde! Ah ouais, tu t'es frappé en mode genre angine quoi. Attendez, on va en profiter pour défoncer les. Ah bah non, ils sont pas là. Ok. Je voulais défoncer les gars pour essayer d'avoir un crâne. Ouais, genre laryngite ou angine à cause du chaud-froid. Merde! Batterie faible. Ok, ben on va brancher la batterie externe. D'ailleurs, je vais brancher l'autre câble, j'arrive. Ah merde, du coup je suis dans le ciel. Enfin, je suis dans les nuages, je veux dire. Donc, faut qu'on aille dans la forêt. Pour les guêpes, ouais, c'est ça, hein, c'est la forêt. De toute façon, il n'y a pas. Y a pas à tortiller. Et en plus, il me semble qu'il faut qu'on aille dans la forêt pour la porte du temps.
Est-ce qu'on va avoir le choix? Ok, on a le choix, du coup je suis pas obligé d'aller directement à la porte du temps. Temple de la forêt. Temple du sceau. Cascade. Entrée de la forêt, il me semble que c'est là. Non, quoique, je sais plus. Il y a un endroit où il y a un. Où il y a des guêpes. Belvédère, cœur de la forêt. Sur le grand arbre. C'est peut-être à l'entrée de la forêt. Hein. Ou alors c'était là-bas. Je sais plus du coup. Pourquoi j'ai un truc là? Moi, j'aimerais trouver des guêpes. Salut! Par contre, je veux bien aussi des crânes. Ah, vite! Non! Putain, il y avait un crâne, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain. Je suis trop deg. Trop deg. Ah, il y a le boron, le goron, je veux dire. Bon, ça, ils s'en foutent. Goron, Goron, je t'ai vu. Ah, il va y avoir un truc là, non? C'est quoi, j'ai aperçu des papillons pas loin. Dommage que j'y connaisse rien en musique. Il y a un mur du coup. Oh, ça pour une surprise! Quelle trouvaille! C'est la découverte du siècle! Cette marque sur le mur, nous sommes devant l'un des murs de la déesse, dédié aux héros, ça fait aucun doute. Pendant mes recherches, j'ai trouvé d'autres écrits anciens. Bah ouais. Une flèche horizontale, c'est ce que doit tracer celui qui veut transpercer une cible au loin. Ce que disent les écrits. Horizontal, ok. Moi, je l'avais tracé à la verticale, c'est pour ça que j'avais rien eu. Waouh, patron! Alors c'est ça que les écrits anciens faisaient référence quand ils parlaient de transpercer une cible au loin. Tiens, je te donne ça pour te remercier de m'avoir aidé dans mes recherches. Oh, let's go, le quart de cœur! Trop bien! Le mur de la déesse va mettre un peu de temps pour se régénérer. Reviens me voir un peu plus tard pour m'aider. Ah, ça se régénère, on peut les réutiliser ensuite. Ok. Je compte sur toi pour m'aider. Ça se trouve, en fait, c'est lui qui va me dire tout ce qu'on peut dessiner sur le mur. Ok, là, on s'en fout. Moi, je veux.
Je veux des guêpes. D'ailleurs, attends, cet endroit-là, il n'existait pas à la base. C'est un raccourci. Ce qui veut dire que la suite, c'est là-haut, non? La suite logique. Ah non. Là, c'est le saut. Oh, vous êtes tous revenus. J'aimerais bien que vous me... Que vous me donniez des crânes. Ici, ça peut être pas mal en vrai pour farmer du... Pour farmer du crâne. Franchement, vous savez quoi? Je profite qu'on soit pas nombreux pour essayer de farmer un peu de crâne de... Bocodine. Ok, là, il n'y en a pas. Oh, un crâne. Bon, il n'y en a qu'un seul. On va pas se plaindre, mais bon. Je crois qu'il m'en fallait trois, et là, du coup, on en a trois. Mais bon, c'est bon à savoir que ici, on peut farmer. On peut farmer sur les bocodines. On peut farmer ça aussi en vrai. Mais bon, ça c'est plus pour du pognon. Allez, on se fait un dernier fight et on bouge. Ok, un crâne. Ok, bon bah vas-y. On se casse de là. Et je veux des guêpes. Est-ce qu'il y a moyen de monter là? Non. Les guêpes, elles seraient vers où? Je me rappelle plus du tout. Ou alors c'était vers Paroria? C'était peut-être vers là-bas. Pourquoi est-ce qu'il brille, lui? Ah, c'était pas l'histoire des spores de champi, là? Vous avez obtenu des spores scintillants, cette poussière fongique est produite par les champignons. Ouais, du coup, ça fait quoi? Oh, j'en ai 5 en plus. Qui sait l'emploi que vous pourriez lui trouver? Ah.
Est-ce que ce serait pas comme dans je ne sais plus quel Zelda, et on peut le saupoudrer sur des ennemis pour les faire disparaître, les transformer en autre chose? C'est pas là qu'il y a... Non. Je pensais que c'était peut-être là, mais ça va être un enfer à retrouver. Ok, ça, on a fait le tour en fait. Ah! Ça, on l'a rarement eu. Ok. Putain, ou alors c'était en fait vachement plus loin, hein, au niveau d'un temple ou quoi. Je sais qu'il y en a une qui est suspendue au-dessus du vide. Mais l'autre, elle est à l'entrée d'un endroit. Oh, let's go, Yulva! Merci, merci pour le raid! Et salut, Mélanie! Et coucou le cube! Et repika! Comment est-ce que ça va? Comment ça s'est passé? La suite. Et coucou Kibli! J'entends rien. Ah! Voilà, c'est bon. C'était de la pure chatte, mais on va faire comme si je l'ai fait exprès. Et merci Kibli pour le follow! Ça va et toi? Bah ça va super. Tranquillou. On continue d'avancer un peu mine de rien. Bah c'est cool. Yay! Alors, attendez, je mets mon lurk ailleurs du coup. Hop, voilà. Heureux l'homme à abattre. Eh oui, c'est moi. Bah nous aussi, on avance bien. On a quasiment tout. On va. Là, je suis à la recherche. Saloperie. Mais non, mais tu vas crever si tu vas dans l'eau. Je suis à la recherche de guêpes. Bon bah tant pis, hein, si tu veux mourir. Je suis à la recherche de guêpes et j'en chie à les retrouver. Parce que j'ai besoin de larves de guêpes pour upgrade un petit peu mon équipement. Et je sais qu'il y a deux endroits, mais je ne les retrouve pas. Donc c'est un petit peu chiant. Incroyable, la musique Wind Waker! Et oui, musique et gif. Gif, kif, comme vous voulez. Bon, où sont? Tenez, donnez-moi des crânes, vous aussi, là. Je sais plus où c'est. C'est la clé chez mon coquille. Mais non.
C'est juste de l'obsession. De l'obsession zeldesque. Donc. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Merde. Je veux des guêpes. Ok, j'ai fait tout ça pour que dalle. Ça va me rendre dingue. Je vais passer en lurk avant le raid, alors bon stream. Merci, merci Mélanie. Des bisous. Et bonne soirée à toi. Ok. Où est-ce qu'il y a du putain de miel? Enfin, pas de miel d'ailleurs, mais... Ça va me rendre dingo. Oh, la Wolfies! Comment ça va? Comment va Wolfies? Le dragon d'or connu ta valeur? Ça, par exemple. Eh ouais, gros. Moi, j'ai pas fait Skyward Sword, mais dès que j'ai fini TOTK et le nouveau qui sortira cet été, je veux acheter le remake. Franchement, moi, je le kiffe. Je l'avais jamais fait à l'époque. Je l'ai vraiment découvert sur Switch. Et je kiffe, quoi. Donc, essayons. Ça, comme un phoque échoué sur la banquise, sauf qu'il fait lourd. Et merde. Ah ouais, à ce point-là? Ah mais quelle idée aussi d'être enceinte au milieu de ces chaleurs-là. Et le loup de Twilight Princess. Ah bah Twilight Princess, j'ai jamais fait. Du coup, je vais le découvrir aussi bah, pendant le marathon. Oh, c'est ici. C'est ici, c'est ici. C'est ici qu'on a des guêpes. Allez, viens là, toi. Ok, du coup, est-ce qu'on peut récupérer les guêpes? Non mais... Putain! Voilà, c'est ça moi que je voulais faire. Parce qu'on n'en a jamais eu. Bon, on s'est fait un peu éclate, mais bon. Ma pauvre, tu dois être tellement jolie avec ton bidouchou. C'est pas l'adjectif que j'aurais utilisé. Cookie, je suis obligé de te demander. Putain, on n'a pas eu de larves. Du coup, on va faire des allers-retours hein, pour farm, hein, je suis désolé. C'est lequel ton Zelda préféré? Je sais pas si j'en ai un préféré. Mais... Mais on va dire que...
que... que dedans, je mets... Ok. Il y a Ocarina of Time, il y a Wind Waker. Skyward Sword, franchement, je peux le mettre dans le trio. Parce que, du moins, la réédition Switch, je la kiffe. Oh, le farm! Eh oui! Du farm! Parce qu'il me faut des larves de guêpe. Et oh, je t'ai sauvé les guêpes là, espèce d'enfoiré. Et toi, du coup, c'est lesquels tes préférés, Kibli? Mais ouais, non, je crois que je mettrais Ocarina of Time, Wind Waker, et peut-être celui-là, ouais, dans le trio. C'est drôle, c'est exactement la réponse que j'aurais donnée. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Après, j'ai beaucoup aimé A Link to the Past, mais bon, c'est parce que c'est le premier auquel j'ai joué sur la Super NES. Mais je peux pas, en fait, là, les récupérer. Ok. Je crois qu'il m'en fallait 4. Je crois qu'il m'en fallait 4 des trucs de guêpe. Ok, on en a 4. On va peut-être en prendre un peu plus, histoire de... histoire d'être sûr... histoire d'être sûr de... On va en prendre 6. Parce que si jamais ça nous en redemande... Bon, après, on sait où aller maintenant. Tiens, toi, tu dégages. Ah bon? Ah là, oh putain! Crâne! Ouf, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, cool. Breath of the Wild pour la nostalgie. J'ai grandi avec, moi. J'aime bien TOTK aussi. J'aime beaucoup Wind Waker, A Link Between Worlds. J'ai jamais fait Between Worlds, du coup je vais le découvrir aussi pendant le marathon. Il y a des phases de gameplay vraiment très intéressantes dans Skyward Sword. Tu trouves? Bim! Ok, comme elles sont loin, les abeilles, elles m'attaquent pas. Du coup, ok, bah vas-y, là c'est bon, on bouge de là. Est-ce qu'on a une statue pas loin? Ah, il y a une perle d'ambre là. On va se casser. Sinon, j'ai pas fini Ocarina of Time, mais j'aime bien sans qu'il soit dans mes préférés. Bah, moi en fait, il est dans mes préférés parce que c'est le premier Zelda du genre que j'ai découvert après A Link to the Past de la Super NES, du coup sur la 64. Et voilà, il y a de la nostalgie. Mais c'est comme Majora's Mask. Majora's Mask, c'est un petit peu le deuxième kiff que j'ai eu. Mais ouais, non, franchement, même Majora's Mask, en fait, je pourrais le mettre dans le triplé. Mais après, Majora's Mask, il était compliqué. Hein.
la gestion du temps, des 3 jours, du jour, de la nuit, etc. C'était pas super simple. Et coucou Rémi! C'est Wolfreeze, exactement. Les chronolithes. Ah oui, oui, les chronolithes, oui. Koki, est-ce que tu as des pigeons qui chiaient des bambous? Comment ça? Tu parles de bambou, par rapport à Skyward Sword et par rapport à l'île aux bambous ou... C'est des consoles que j'ai pas connues et que j'ai même jamais vues en vrai. Ah ouais! Et t'es né en 2015? Fais pas gaffe à sa question. C'est un truc par rapport à toi, Wolfie? Z? Non, pas à ce point hein, quand même. Donc elle est full in love de nous. Je crois que ça, je l'ai déjà mis à fond. Faudrait que je récupère ça. Ouais, renforcer, c'est à fond déjà. On va voir si on peut maxer nos objets. Non, c'est juste une bêtise. Mon coquin, mon cosmique. Une bêtise drôle, mais une bêtise quand même. Comment ça va, mon cosmique? Je sais plus si c'est 2009 ou 2010. Le Péruvien, j'allais demander où t'étais. Donc ouais, je suis un bébé. Alors, ça, du coup, on peut... Vas-y, augmente-le. Parce qu'ici, on est pour le 100% quand même. On aime bien tout maxer. Si on peut. Oh putain, on peut encore augmenter le... bah ouais, vas-y, hein. Ça a mieux qu'hier, Koki, et toi la forme. Pourquoi hier ça allait pas? Ou juste ça allait et aujourd'hui ça va même encore mieux. Ok. Et sinon, ouais, moi la forme, hein. Un peu. Il a fait un peu chaud aujourd'hui. On s'est tapé du 28 degrés. Le scarabée endurant, il peut maintenant voler plus longtemps. Ok. Ok, le scarabée, on l'a augmenté à fond. Voilà, ça, c'est ça le problème. La perle d'ombre. Parce que les perles d'ombre, elles sont dans les épreuves. Et j'ai déjà fait les 3 épreuves. Et je peux plus y retourner. Du coup, j'espère que je pourrai avoir des perles d'ombre autrement. Sinon, ben, je suis un peu deg. Hier, le temps était pourri. Ah oui, 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 par rapport au temps, oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu 26. À nous, 28, ça commençait à piquer quand même. Ouais, donc c'est bien ça. Il va me manquer plus que la perle d'ombre. Et je suis un petit peu dégoûté. En plus, c'est sur le bouclier. Ouais, je suis deg. Mais bon, avec un peu de chance, on pourra peut-être en trouver dans un coffre. Surtout qu'il m'en faut qu'une. Donc bon. Il m'en faut qu'une. Hop, ça on va récupérer. Et on se casse de là. Le 100% flingué, sinon... Ah ouais, non mais... J'ai déjà réussi à en trouver dans un coffre. C'est très rare. Sinon, j'espère qu'il y a une autre épreuve. Parce que... Je me dis que... Alors, attends.
Hop. On a eu des épreuves à chaque fois là pour les champs là. Du coup, je me dis peut-être, même si normalement il n'y a pas de troisième, voilà, il y a Faror, Din et Nehru. Je me dis peut-être, avec un peu de chance, il y aura une quatrième épreuve. Mais j'y crois pas trop. En plus, il n'y a pas de vendeur pour ce genre de trésor. Il y en a un qui les achète. Donc franchement, ouais, je serais un petit peu beaucoup deg. Bon, bah du coup, on va pouvoir continuer l'histoire. Bah let's go. Let's go, let's go. On retourne au temple du sceau. Et puis on va traverser la porte du temps, si j'ai bien compris. Ah, on aura peut-être une épreuve hein, pour pouvoir l'ouvrir. Franchement, si c'est le cas, ça me gênera pas de mourir si je peux farmer un peu des perles d'ombre. Parce que là, le problème, c'est que les trois épreuves, on les a first try. Mais du coup, j'ai pas farmé les perles. Quoique j'aurais peut-être dû faire dans le... Ouais, je sais pas. C'est quoi ça? Il n'y avait pas les rails comme ça. C'est nouveau ce truc. Mais oui, c'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une catapulte. Waouh! Et c'est quoi cette méga bombe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, par contre, elle met du temps à péter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, allez, let's go. La porte du temps. Salut Impa, l'ancienne. Oh, ton épée. Sa lame a été purifiée par les trois flammes. Bravo Link, ton épée déborde d'une grande puissance. Cette puissance, oui, c'est la force. La puissance sacrée que les anciens dieux ont insufflée en ce monde. La grande puissance que mentionne le chant de la déesse. C'est elle qui circule à présent en toi et dans ton épée. Ça ne fait aucun doute. Bien Link, l'heure est venue d'ouvrir la porte du temps. Avec cette puissance, avec la force, il ne fait aucun doute que l'éclat céleste pourra activer la porte du temps. Depuis cette estrade, insuffle la force de ton épée à la porte du temps. Tiens Link, t'as vu ces rails dehors? Tu veux savoir à quoi ils servent? Tu sauras bien assez tôt. C'est tout? Ok. Ah oui, il y a un trou ici. Pourquoi je peux pas aller dedans? Vas-y! Bon allez, let's go, on continue. Toi, t'as plus rien à me dire? Ok. Waouh! Ah, j'ai même pas eu à l'envoyer. Il semble que le sceau ait été à nouveau brisé. Ah merde! La créature est sur le point de s'éveiller. Elle a dû réagir à la puissance sacrée émanant de ton épée. C'est le prix à payer pour ouvrir la porte du temps. Link, tu dois emprisonner ce monstre encore une fois.
Ah, c'est pas trop tôt, ça va chauffer. Le moment de tester mon arme secrète est enfin arrivé. Avec ça, il va pas faire un pli le gros tas d'écailles. C'est pas le moment de rêvasser, je pars devant toi, grouille-toi. Ok. Nanana, ok. Bon bah let's go, on va re-combattre le banni. Je crois que c'est la troisième fois, non? Je sais plus. Eh oh, Link! Ah, ok. Sous tes yeux ébahis, voici l'ultime arme secrète du grand Ergo! Son petit nom, c'est la Mégatapulte! Je vois que t'en restes quoi, hein? C'est bien normal. C'est qu'au bout d'incroyables efforts que j'ai réussi à construire ce chef-d'œuvre. Regarde un peu ça! Vas-y, fous-lui dans la gueule! J'ai déblayé la zone entière pour pouvoir installer le rail qui permet de déplacer cet engin, et j'ai tout fait tout seul. Je m'étonne moi-même. Tout ce talent qui ne demandait qu'à s'exprimer. Il ne reste plus qu'à utiliser cette machine de rêve pour lui faire la tête au carré à ce démon. Une seule de mes petites bombes dans ce gros tas, ça devrait te calmer un petit moment. Enfin, c'est bien joli, mais ce démon arrive un poil trop tôt. La machine a encore besoin de quelques réglages avant de fonctionner parfaitement. Je te préviendrai quand tout sera prêt. Alors, tiens, bon, jusque-là. Je crois qu'il a un peu d'ego, ce mec. Oui, il a un peu d'ego, Ergo. Ok, donc, c'est genre démerde-toi. Le temps que ce soit prêt, quoi. Salut! Alors. Bon, encore que je t'éclate tes petits petons. Eh, mais il a des mains maintenant? C'est nouveau ça. Il avait pas de bras. Il avait que des pieds, que des orteils. Et maintenant il a des doigts. Oh oh, on dirait qu'il s'est acheté une paire de bras. Très bien. C'est pile le moment de montrer ce que ma méga-tapulte a dans le ventre. Je te ferai signe dès que je serai prêt, alors tiens bon en attendant. Aïe. Ok. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, l'enfoiré! Il va escalader avec ses bras. Hey Link, mon engin est fin prêt! Tirons sur ce monstre pour l'empêcher d'escalader le mur. Appuie sur X quand t'as besoin de moi et de ma machine. Bah ouais, vas-y. Ouais, à moi de jouer! Déplace la machine avec L et vise bien. Comment ça? Ensuite, tire une bombe avec ZR. Ouais. Tu te souviens plus des commandes, consulte-les pendant que tu utilises machin, ouais. Ah, ou c'est sur ses mains qu'il faut que je lance. Alors, qu'est-ce que tu dis de la puissance de mon engin? Ça t'en bouche un coin, hein? Bon, je recharge la bête, alors tiens bon jusqu'à mon prochain signal. Ok. Aïe. Mais vas-y là, espèce d'enfoiré. Tombe. Ah, par contre, ses bras, ils vont m'empêcher de passer. Ouais, ces bras, ils vont me faire chier, j'ai l'impression. Là, ça va qu'on était en bas, mais... Quoi,
Tiens, vas-y, fous-lui sur la gueule. Est-ce que ça peut le faire tomber? Ah non, mais par contre, ça le... Ok, ça le stun un peu. Aïe. Ok. Ouais, du coup, c'est bien ça. Il va m'empêcher de passer, le con. Ok. On va lui remettre un coup de bombe dans la gueule, ce qui m'a appelé. Oula! Ok, tu ressors ça, mais... Il est où? Ok, il est là-bas, ce con. J'aimerais bien qu'il nous redise, hey! Ah putain, il veut, ok. Il veut grimper, le petit bat. Vas-y, tombe. Non? Ok. Ok, pour le moment ça se passe. Du coup, comment on va faire? C'est bon, 3 points ça suffit ou pas? On dirait. Et coucou à Lyonis, comment ça va? Ah merde, j'ai pas du tout entendu du coup le tarot. J'étais tellement à fond. Dit Hangman, le pendu, t'as pas intérêt à être inversé, espèce de plot. Toi, je te n'aime, toi! Il n'y a pas un peu une tête de poisson? Ouais, le banni, ouais, on dirait un gros poisson avec plein d'écailles. Comment ça va, Lyonis? J'ai farmé du virevoltant cet après-midi en off. Et là, tout à l'heure, on a farmé un peu de la larve de guêpe. Et j'ai tout augmenté, sauf mon bouclier sacré. Parce que, ben, il me manque... Il me manque une putain de larme d'ombre. Sauf que je peux plus retourner dans les épreuves. Donc j'ose espérer qu'on va en trouver une plus tard. J'ai checké aussi l'armurier la nuit. Il m'achète des trésors, il en vend pas. Donc j'étais un peu deg. Donc voilà. Voilà. Et bravo pour hier, j'ai vu la fin de tes essais. Ah oui, la fin de... Ouais. J'ai eu du cul hein, d'avoir un rubis rouge dans un coin. Par contre, j'étais deg de pas avoir de quart de cœur. Franchement, bon, après, un crâne doré, c'est cool aussi. Mais c'était beaucoup pour pas grand-chose, quoi. Mais bon. Pas trop dégoûté de pas avoir de quart de cœur. Ah ouais, si, hein. Ça m'a deg. Hein. Ça m'a dégoûté, mais bon. Au moins, j'insisterai pas, quoi. Sinon, du coup, ta carte, le pendu... Attention. Le pendu, arcane 12, et elle n'est pas inversée.
symbole d'amour platonique. Bon, elle est pas inversée, mais c'est pas forcément génial, quoi. L'amour platonique, c'est pas non plus. Normalement, tu peux obtenir les gouttes d'ombre autre part que dans les Psy-Alice. Haha, tout moi! Yulva, la justice! Let's go! Ça te correspond tellement! Et oui, mais j'ai eu une perle d'ombre dans un coffre une fois. Donc, j'espère que je vais tomber à nouveau sur une. On verra. La justice, Yulva, Yulva. La justice, Arcane 11, représente un homme de loi ou représentant l'ordre. Oui, ben, un homme de loi ou une femme, hein, de loi d'ailleurs. Donc voilà, tu as tiré ta carte. Sur 22 lames, t'es tombé sur ta carte. Maintenant, Link, utilise ton état céleste, ton éclat céleste sur le pilier de pierre. Vite! Vite, vite, elle va se calmer, mamie, là. Une femme de loi, une femme du jeu de loi. Calme-toi, méchant. T'es créant? Comment ça, t'es créant? Ah, mécréant, bah oui, bien sûr. Ah, merde. Ouais. Bim! Et coucou Steph, comment ça va? Étant donné qu'il y a trois faces au pilier, je me dis qu'on va peut-être devoir le sceller encore une fois, ce petit gars-là. Parce que je crois que c'est la deuxième fois qu'on le scelle. Bien joué, Link! Allez, remercie-moi! Bon, faut aller activer la porte du temps maintenant. J'y cours, j'y vole! Comment ça va, Steph? Tranquillou, malgré le temps pourri? Ah, nous, c'était hier, le temps pourri. Enfin, le temps pas génial, quoi. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, il a même fait chaud. Très chaud. Bah, tu me diras, on a, même quand on a du temps de merde, il fait chaud, en fait, ici. Allez, allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On est où? Bien sûr, on est strictement à l'opposé, sinon c'est pas drôle. Hop. Allons ouvrir cette fameuse porte depuis le temps. Depuis le temps qu'on nous tanne avec, la créature a été enfermée à nouveau. Du coup, on devrait voir Zelda en ouvrant la porte, non? Link, et toi, Ergo? C'est grâce à vous deux. Hé hé, arrête, mamie, tu vas me faire rougir. Et puis c'est toi qui m'as montré quoi faire quand je pleurnichais comme un bon à rien. C'est parce que t'en avais la force. Link, il est temps de te parler de la vraie nature de ce démon. Sache qu'il est la source de tout le mal. Lorsque tu auras passé la porte du temps, tout sera clair. C'est un être terrifiant. On aura beau l'emprisonner, il parviendra toujours à briser les liens qui l'entravent. Pour en venir à bout, il faut éliminer son essence même. Dépêche-toi, Link. Utilise l'éclat céleste. Concentre la force de ton épée et envoie l'éclat céleste dans la porte du temps. C'est bien ça, mamie? En effet. Va, Link. Faut que tu concentres... Zelda t'attend de l'autre côté. Allez, vas-y, Link. Ah ouais? Ça y est. Il me dit Zelda t'attend de l'autre côté. Ça le gêne plus.
Alors, est-ce que notre bâtard il va se pointer, Ghirahim? On dirait des petits cubes de la déesse. Révélation, le portail est en fait une Game Boy avec Tetris, c'est ça. Et tu dois réussir le niveau 99. Ok, les engrenages du temps. Stargate. La porte s'est enfin réveillée. Link, ne crains rien. Cette porte transcende le flot du temps. Par-delà des océans d'éternité, elle te mènera vers le passé, là où se trouve Zelda. Va, franchis la porte et retrouve celle que tu as cherchée pendant si longtemps. Ouais, moi je vais rester ici. Les rouages du temps, fais gaffe. Il y a Dialga? Qui va venir? C'est qui, Dialga? Mais vous avez un gros engrenage, monsieur. Tu as vu un peu la taille? Comme il tourne bien, on voit que vous l'avez huilé avec soin. Eh oui, il faut que ce soit lubrifié comme il faut, ça. La vieille a dit que le monstre pouvait revenir à tout moment. Vaut mieux s'y préparer, tu vois. Oh, il devient cool, le ergot. Aussi s'occuper de mamie. Et puis... Ah, le ergot, il devient cool. Non, rien. Passe le bonjour à Zelda. Eh ben, il a bien changé le ergot. Dialga, c'est le Pokémon légendaire lié au temps. Ah, j'y connais que dalle au Pokémon. Ref validé. Je vous laisse le petit fantôme. Je fais le tour du lurk ce soir. Ça marche, Angel. Merci pour le fantôme. J'ai un bon lubrifiant à base d'aloe vera au cas où. Merci, petit explorateur de l'ombre. Alors. Ah ouais, toi tu marches dans le... Ok. J'aurais pensé qu'on serait aspiré. Temple d'Ilia. Ouais, Shimpa. Sois le bienvenu, Link. Je t'attendais. Il te faut m'écouter sans crainte. Nous sommes dans le temple d'Ilia, qui deviendra plus tard le temple du sceau. Et c'est en ces temps reculés, bien avant que tu ne viennes au monde, la déesse vient d'emprisonner l'avatar du néant. C'est également ici que Célestebourg a trouvé son origine, lorsque le village arraché de ses terres s'est élevé au-dessus des nuages. Oui, en traversant la porte du temps, tu as voyagé vers le passé. Fais taire les questions qui se pressent dans ton esprit et dirige-toi à présent vers la grande porte du fond. Le bâtard du néant, oui, on peut l'appeler comme ça aussi. Celle que ton cœur désire ardemment protéger t'attend.
Nous trouvons dans un lointain passé la déesse Ilia, ouais. Ok. Ouais, hein? Elle m'a fait attendre. Je vais voler les rubis du passé. Et je vais faire une save dans le passé, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des trucs? J'aimerais bien une petite perle d'ombre, y a pas? Non? Bon, ok. Wesh, Zelda! Tu as réussi à me retrouver, Link? Ilpa t'a déjà dit où nous sommes, n'est-ce pas? Dans un lointain passé. À une époque où les blessures de la Terre causées par le combat entre la déesse et l'avatar du néant ne sont pas encore refermées. Oui, la légende que l'on raconte à Célestevaux est vraie. Laisse-moi tout te raconter. La Triforce est le pouvoir suprême créé par les anciens dieux. Elle permet à celui qui la possède de tordre la réalité pour assouvir tous ses désirs. Ainsi, l'avatar du néant qui voulait conquérir le monde tenta de s'en emparer grâce à ses armées de démons. La déesse qui craignait le pire détacha une partie de la Terre et envoya ainsi les humains et la Triforce dans le ciel. C'est ainsi que naquit Célestebourg, notre terre natale. Ok, donc la Triforce, elle est chez nous. À l'issue d'une terrible bataille, la déesse Ilia enferma l'avatar du néant. Cependant, il apparut que le sceau ne pouvait tenir très longtemps face à sa puissance colossale. Si l'avatar du néant se libérait, la déesse, gravement blessée durant la bataille, ne pourrait plus rien faire contre lui. Ainsi, la libération de l'avatar du néant aurait signifié la fin du monde. Pour tenter de le détruire à tout jamais, la déesse mit alors au point deux stratagèmes. Ferme la bouche, Link. Le premier fut de créer Fey, un esprit qui reposerait dans l'épée que tu portes afin de guider l'élu. Le second fut d'abandonner son enveloppe divine pour se réincarner dans un corps humain. Et c'est toi, du coup. Ainsi, afin de détruire l'avatar du néant, Ilia se résolut à utiliser le trésor des anciens dieux. Bien que de conception divine, la Triforce, renfermant le pouvoir suprême, ne pouvait pas être utilisé par ses créateurs, les dieux. Alors, pour pouvoir accomplir ce miracle, la déesse fit le choix d'abandonner son pouvoir divin et son corps immortel. Comprends-tu, Link? C'est toi l'élu de la déesse. Quant à la réincarnation d'Ilia, oui, c'est bien moi, Zelda. Ah, donc nous, on est la déesse. En fait, Link, c'est la déesse, quoi. Le jour de la chevauchée céleste, j'ai été emporté par la tornade créée par Giraïm, et je me suis écrasé sur terre. Mais au moment où j'allais tomber entre les mains des démons, l'ancienne est intervenue pour me sauver. Puisque j'avais perdu les souvenirs d'Ilia, elle me révéla alors qui j'étais vraiment et ce que je devais faire. Je me rendis donc dans tous les temples pour prier devant les statues de la déesse. Les statues me rendirent la mémoire et c'est guidé par Impa, la servante de la déesse, que je suis retourné dans le passé. Tout cela pour empêcher le retour de l'avatar du néant. Link, le sceau a privé l'avatar du néant de sa forme humaine, le forçant à adopter celle d'un monstre. Mais même ainsi, il reste assez puissant pour détruire le monde. Il faut absolument l'empêcher de se libérer du sceau. À présent, je vais m'efforcer de consolider le sceau ici, à cette époque. Tant que je resterai ici, je pourrai peut-être le tenir enfermé jusqu'à notre époque. Allez, elle doit se sacrifier dans le passé encore. Maintenir le sceau que la déesse Ilia, que j'ai créé dans le passé,
C'est là ma destinée, je l'ai compris en recouvrant la mémoire. Link, l'une des raisons pour lesquelles la déesse t'a confié Faye, l'épée ultime, c'est pour que tu terrasses l'avatar du néant, cet énorme démon que tu as déjà combattu. Tu l'as déjà repoussé par deux fois et je t'en remercie, Link. Tu as beaucoup appris pendant ton long voyage. Tu as acquis la sagesse en résolvant de nombreuses énigmes. La force en maniant ton épée et le courage en surmontant les épreuves de la déesse. Tu es prêt à recevoir le trésor des dieux, la Triforce. Ah, mais je croyais que je l'avais déjà, vu qu'on avait vu les trois triangles sur ma main. Jeune héros, tu as su braver 1000 dangers au péril de ta vie pour ces terres gagnées. Sagesse, force et courage, en toi je reconnais. Je reconnais, mon gars, comme dirait Yulva. L'âme de la déesse en tes mains, je remets. Que toi, le fier enfant, et ton épée loyale. Merde, j'ai pas lu. La lumière qui émane de ta main est la preuve que tu es le héros investi de l'énergie sacrée. C'est le symbole de la Triforce. Bien, Link, dégaine ton épée. Vas-y, sors ta grosse épée! Ça donne un petit air de Winter avec des graphismes moins qualitatifs que IRL. Grâce à la bénédiction de la déesse, l'épée de légende a atteint le paroxysme de sa puissance. Vous seul pouvez manier cette épée qui renferme le pouvoir ultime contre les forces du mal. Elle est vraiment pas super cette Zelda en graphisme. Non. Non, mais bon. Link, je te dois des excuses. Attends, Zelda, c'est la princesse. Ouais, non, c'est pas la princesse, c'est la prêtresse. Non, c'est Nintendo, la déesse. Non, toi, t'es l'élu de l'épée avec Faye, et Zelda, c'est la déesse. Une 2DS ou une 3DS, on sait pas. 3DS, c'est pour faire la Triforce. Reçoivent le pouvoir d'exterminer le mal. Le symbole qui est apparu sur ta main est l'emblème de la Triforce, le pouvoir suprême. Si tu parviens à trouver la vraie Triforce, elle te donnera le pouvoir de détruire définitivement l'avatar du néant. Ah d'accord, ok, sur ma main c'est juste un symbole quoi. Mais rares sont ceux qui peuvent utiliser son pouvoir, car il requiert de posséder un esprit extrêmement fort. Vas-y, dis que je suis faible. Personne ne sait pourquoi les anciens dieux ont créé la Triforce, mais pour moi, si les dieux ont créé un pouvoir qu'ils ne pouvaient eux-mêmes utiliser, c'était pour donner espoir aux mortels. Et puis, pour détruire l'avatar du néant, la déesse a choisi un esprit fort. Et cet esprit, c'est toi. Cependant, pour utiliser le pouvoir suprême, il a fallu éveiller le héros qui sommeillait en toi, en te faisant passer de nombreuses épreuves. C'est pour cette raison que la déesse, que je... Sachant que tu braverais toutes les épreuves pour me sauver, je t'ai utilisé. Allez, elle nous traite de sextoy maintenant. Link, je suis désolé de t'avoir fait subir tout ça, mais de ce combat dépend le sort du monde entier. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai l'air de me donner des excuses, mais je vais assumer les conséquences de mes actes. Pour assurer la pérennité du sceau, je vais rester ici et me plonger dans un sommeil millénaire. Ah ok, du coup là en fait on était revenu 1000 ans en arrière quoi. Link, je suis sincèrement désolé. Excuse-moi encore. Jusqu'à ce que la mémoire me revienne, je ne savais pas non plus qu'un tel destin nous attendait. Alors que j'aurais souhaité que nous puissions simplement être ensemble. Allez, bim! Du coup, elle va
se sceller. Elle va être le sceau, en gros, pendant 1000 ans. Link, même si je suis la réincarnation de la déesse, je reste la fille de mon père. Ah oui, la déesse, c'est Ilia. Et ton amie d'enfance, la Zelda que tu as toujours connue. Si l'avatar du néant est définitivement détruit, le sceau n'aura plus lieu d'être et je pourrai me réveiller. Link, je ne compte plus le nombre de fois où je suis allé te réveiller, parce que tu dormais encore. Viendras-tu me réveiller à ton tour, juste pour cette fois? Et pourquoi est-ce qu'on peut pas répondre non? Bien sûr, je te le promets, je te réveillerai. Vas-y, je te le promets, meuf. Par le pouvoir du prisme lunaire! Let's go, Sailor Moon! Ah, mauvaise série. Attends, elle vient de te faire une proposition, là? C'est donc en sacrifiant des jeunes filles qu'on fait des rubis dorés. Eh oui! Et voilà la taille du rubis. Hein. Flemme, wesh! Genre, non, bah vas-y, achète-toi un réveil sur Wish, meuf! Ok, donc elle est derrière les portes depuis 1000 ans. Dans notre présent. Ok. Du coup, meuf, ainsi vos chemins se sont séparés. N'oublie pas ta promesse à Dame Zelda. Et mets-toi en quête de la Triforce. Retourne dans ton époque et achève ce que tu as commencé. N'aie aucune crainte, j'assurerai la protection de Dame Zelda. Va à présent, ton destin t'attend. Ok. Du coup... Ah bah non, c'est dans l'autre sens, du coup. Ouais. Du coup, l'ancienne, soit c'est une descendante d'Impa, soit c'est Impa qui a 1000 ans, quoi. Ah, quelle tranche d'âge, ça va où en kidnapper? Comment ça? Apporter le sacre... l'imprimante habillée suivant. Tu es de retour, Link. Alors, tu sais tout à présent. Derrière cette porte, Zelda est plongée dans un profond sommeil. Ne crains rien, elle est toujours en vie. Comme le dit la légende, la déesse a dissimulé la Triforce, la puissance qui éliminera l'avatar du néant à Célestbourg. Mais nul n'en connaît l'emplacement exact. Il n'a jamais été révélé. Link, comme tu l'auras compris, la clé pour trouver la Triforce se trouve quelque part à Célestbourg. Va et trouve la Triforce. Eh, hey, pas si vite! Link, j'ai deux mots à te dire! Dis, Zelda, elle va bien? En fait, joie, c'est pas la joie ce qui lui est arrivé. Mais tu vas arranger ça, hein? Tu sais, Link, j'ai décidé que je rentrerai pas à Célestbourg. Je vais vivre ici avec la vieille. Fais pas cette tête, c'est ma décision. Comment dire, j'ai le sentiment que j'ai encore des trucs à faire ici. Surveiller le gros monstre et puis il faut s'occuper de ma vie. Enfin, tu vois, quoi. Peut-être pas aussi classe que ta mission, mais c'est quand même un sacré boulot. Et puis je me plais bien ici. T'inquiète, mamie, je pense que ça fait des années qu'elle se débrouille toute seule. C'est sympa de vivre dans le ciel, mais j'aime bien avoir les pieds sur terre. Regarde ça! Grâce à Zelda et Mamie, cette terre est à nouveau pleine de vie. Si on plantait une pousse ici, je suis sûr qu'elle deviendrait un grand arbre costaud. Et peut-être que cet endroit serait un peu plus animé. Enfin, ça prend des années pour qu'un arbre soit bien grand, mais faut savoir être patient des fois. Comme ça que je vois les choses en ce moment. Ouais, on va avoir un truc à planter dans le passé pour que dans le présent, il y ait un arbre, j'imagine. Et donc, comment dire, si tu retournes à Célestbourg, passe le bonjour à tout le monde de ma part.
Mes compères s'en remettront sûrement pas, mais dis-leur que je me plais bien ici. Je compte sur toi, Link. Ok, le sort de Zelda est entre tes mains. Sinon, je me disais que je ferais bien pousser un grand arbre ici. T'aurais pas une graine ou quelque chose dans le genre? Non, je crois pas. J'ai des graines Mojo, mais c'est tout. On se fait un câlin ou non? La clé pour trouver la Triforce se trouve quelque part à Célestebourg. Ok. Ok. Vas-y, on peut l'avoir là. Ah, en plus, c'est entrouvert. Allez, vas-y, on va briser le... rien, ne t'inquiète pas. Pourquoi on peut pas dire non, elle est morte dans d'atroces souffrances? Mais non, elle est pas morte. Ergo qui découvre l'amour. Ergo qui découvre l'existence des autres. Allez, plante ta graine, Link. L'âme quoi? La mort? J'ai rien compris. Tiens, c'est moi ou ton épée a changé depuis la dernière fois? Tu voudrais pas t'en servir pour chasser ces types en bas? En tout cas, quoi qu'il arrive, je dois poursuivre mes recherches. Faut attendre un peu, ouais, ok. Ouais, bah si tu veux, hein, je vais les buter. Salut! Ah bah il faut encore deux coups, hein. Il faut encore deux coups pour les tuer. J'aurais pensé qu'il en fallait plus qu'un, mais non. Ok, pas de crâne. Voilà, je les ai butés. T'es content? Non, t'en as rien à péter. Très bien. Cassons-nous. Du coup. Faut qu'on trouve la Triforce à Célestebourg. Elle devrait être dans le temple de la déesse, j'imagine. Quoi qu'il y a la tour aussi. Padadadam, pam pam padam. Vas-y, je peux pas sauter dans tes mains. Elle devrait être là-dedans, j'imagine. Ah, par contre, ça charge vachement plus vite. Ok, il n'y a rien. Il y a la Triforce sur les piliers. si on allait parler à... à Gaibora. Je sais pas si... s'il sera au courant de quoi que ce soit. Ah, il y a Célestin qui veut nous parler. Salut Link. Je crois que j'ai atteint ma limite de pompe. Je me demande ce que je pourrais faire d'autre comme exercice. Tiens, mais c'est un bel arc que tu as là. Je suis sûr que t'es un excellent archer. Mais non, voyons. Ne sois pas modeste, je ne fais que dire la vérité. J'ai une idée, si tu me montrais tes talents d'archer. Je vais jeter des citrouilles en l'air. Essaie de les transpercer avec tes flèches. Et puis, jeter des citrouilles, ça me fera un bon exercice. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Ok.
Pendant 90 secondes, je vais jeter des citrouilles. Chaque fois que t'en toucheras une, tu gagneras 10 points. Mais si t'en touches plusieurs à la suite, tu gagneras plus de points, alors fais de ton mieux. Oh putain, au secours, ça va être comme dans Ocarina of Time, chez les Gerudo. Par contre, je devrais te demander 20 rubis à chaque essai. Si tu le fais gratuitement, il n'y aurait pas d'enjeu, alors 20 rubis pour du tir à la citrouille, ça te dit? Ok. Allez, c'est parti. Oh, ça va être un enfer. Non, enfoiré. Putain, j'y arrive plus. Eh, celle-là, elle était dorée. Merde! Merde. Ah, le bâtard. Ok, 410, ouais. Tu peux pas lui tirer dessus? J'ai pas vraiment envie de perdre des flèches pour essayer. 410 points, bravo Link. Quoi que tu fasses, c'est toujours aussi exceptionnel. Tiens, je t'offre ceci en récompense. Mais c'est de la merde! Mais je m'en fous, moi. Tu crois que t'arriveras à marquer au moins 600 points? Waouh, sa grand-mère! Par contre, est-ce que c'est mes propres flèches ou pas? Parce que si j'en ai pas assez... Il veut 600 points. Et merde. Putain. Mais tu me fais chier là. Putain, j'y arrive plus, hein. Moi qui pensais que 400 points, c'était bien. Eh merde. Vas-y là. Ok. Et pourquoi dans les Zelda ils ont toujours citrouille illimitée? Non, t'en perds pas, je crois. Ouais, j'ai l'impression que je commence avec le nombre que j'avais de base. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Et t'y es arrivé sans verser une goutte de sueur. La prochaine fois, essaie de marquer au moins 400. J'ai réussi 400 hein, tout à l'heure. Tiens, je te donne les 50 rubis que j'ai économisés. Ah bon? Ok. Je veux bien.
Ouais, voilà. Moi, j'ai 27 de base. J'ai 27 flèches de base. Et du coup, je commence avec ça. Heureusement que j'en avais, hein, parce que sinon... Super. Le bâtard! Mais quel fils de chien! T'es vraiment un fils de pute, Célestin. T'es un connard, putain. T'es vraiment un connard, Célestin. À les envoyer comme un enfoiré là-bas. 500 points, bravo Link. Quoi que tu fasses, c'est toujours exceptionnel. Oh! Oh! Une perle d'ombre! Trop bien. Trop, trop bien. Tu crois que t'arriverais à marquer 600 points? Ben, j'aimerais bien, mais si tu les envoyais pas comme un connard à l'autre bout de la map. Putain, énorme la perle d'ombre. Ok, ça commence mal. Putain. Merde. Ah l'enfoiré, il les renvoie en arrière. Bon, on est mort. Pouah, depuis quand Ilien est capable d'envoyer une citrouille à l'autre bout de la planète comme ça? Mais ouais, t'as vu? Ah, mais ça, c'est parce que je lui ai donné de l'endurol. Ok, il me file 50 balles quand même. Bon, allez, on s'en fait une dernière petite. C'est bien parti, hein, quand même, les... Merde, les 500. Putain! Allez, c'est mort. Moi, je vous le dis.
C'est mort de chez mort. Ah oui, non, mais 27 flèches, en fait, elles descendent pas du tout, même. Je viens de faire gaffe. Tu peux pas mettre des cibles fixes, sérieux, là, au lieu de me balancer des citrouilles de merde? Ah, putain, la manette! La manette qui couille. De toute façon, c'était mort, donc c'est pas grave. Ah ouais, 50 balles quand même. Assez facilement. Donc nous, on voulait aller voir le père Gaibora, là. Sur Hyrule, la gravité est inférieure au reste de la planète. Et encore plus là-haut, là. Sur Célestbourg. Alors, Gaibora, est-ce que t'es là? Est-ce que t'as des infos sur la Triforce, gros? Oh, Link, tu as retrouvé la piste de Zelda? Que se passe-t-il? Dis-moi tout, je t'en prie. Tu ne peux pas en parler maintenant, dis-tu? Même si tu aimerais pouvoir le faire. Link, j'ai bien réfléchi à ce que je pouvais faire pour toi. Ta quête pour retrouver Zelda te contraint à la solitude. C'est là ta destinée. Je me suis donc demandé ce qu'un vieillard comme moi pouvait t'apporter. Et c'est la connaissance. Tu peux me poser n'importe quelle question concernant Célestbourg. Bah ouais, j'en ai par rapport à la Triforce. Comment ce que je sais sur la Triforce? Où as-tu entendu parler de cela? Il existe de nombreux écrits anciens qui traitent de la Triforce. Mais aucun ne fait mention du lieu où elle se trouve. Cela reste donc un mystère. Je t'avais promis la connaissance et je ne peux t'en apprendre plus. Tu m'en vois réellement désolé. Vas-y, là! Doit bien avoir quelqu'un qui en sait davantage. Mais à Célestbourg, ceux qui connaissent les légendes anciennes sont peu nombreux. Ok, donc va falloir parler à tout le monde. Attends une seconde, Link. J'ai peut-être une piste. Tu sais qu'il existe un esprit des cieux très ancien appelé Narisha, n'est-ce pas? Aussi loin que remonte la mémoire, Narisha a veillé sur les cieux. C'est un sage dont les connaissances dépassent l'imagination. Il sait certainement quelque chose sur la Triforce. Où est-il? Bonne question. Comme tu l'as toi-même remarqué, un étrange cumulonimbus géant a fait son apparition dans le ciel récemment. Il est fort possible que Narisha ait été enfermée à l'intérieur. J'ai donc demandé à Maître Arfan de vérifier cette information en étudiant cet énorme nuage. Il ne m'a pas encore rendu son rapport, avec toute cette agitation. Pourquoi n'irais-tu pas demander à Maître Arfan ce qu'il sait sur Narisha? Ok, gros. Ce mec est un psychopathe, a envoyé ses citrouilles en dehors de la zone de jeu. Un jour, il va en envoyer une, le soleil va brûler une citrouille, il comprendra rien, le pauvre soleil. Et il va lui recracher à la gueule, oui. Il va foutre le feu à Célestin. Wesh, mec, on m'a dit que t'avais des infos. Oh, Link, comment se passe la recherche de Zelda? Tu l'as trouvé? Quoi? Le grand Narisha? C'est le directeur qui t'en a parlé? Oui, il se trouve bien à l'intérieur du cumulonimbus. Bon, on l'a pas vu. Mais il ne s'agit plus du Narisha que nous connaissions. C'est un monstre. Il a la même apparence qu'auparavant, mais lorsque j'ai essayé de l'approcher, il m'a attaqué. J'ai lu dans ses yeux qu'il me vouait une haine profonde. Est-ce qu'il a réellement changé? Ou bien est-il possédé? Oui, j'ai eu cette impression. Quoi? Tu voudrais lui parler? C'est impossible. Il n'est plus en mesure de comprendre le langage des humains. De plus, la dernière fois que j'ai tenté de l'approcher pour lui parler, j'ai failli me faire dévorer. Quoi? Tu souhaites le rencontrer quand même? Je vois. Tu penses qu'il pourrait t'aider à retrouver Zelda? Je comprends.
Et il ne m'appartient donc pas de tenter de t'arrêter. Oh, il me vient une idée, suis-moi. À l'intérieur du cumulonimbus, le grand Narisha avait l'air possédé. En éliminant la source du mal de son corps, il est peut-être possible de rendre à Narisha son esprit d'antan. Link, je vais t'apprendre la technique secrète des chevaucheurs. L'attaque tornade. L'attaque tornade est une puissante attaque grâce à laquelle tu pourras éliminer le mal qui infecte Narisha. Il te suffira d'appuyer sur X pour la réaliser. Mais comme elle provoque une accélération plus longue que l'attaque normale, ton oiseau sera plus difficile à contrôler. C'est une technique de haut vol réservée à l'élite des chevaucheurs. C'est un peu tôt pour toi, mais le temps est venu de tester tes compétences. Commence par plonger et monter sur ton oiseau. Ok! C'est Elrond de oui, je suis oui. Et bah défonce-le, après il voudra bien te parler. Comme elle est compliquée, appuyez sur X, c'est clair au final. Ah putain, il y a des cibles. Bien Link, j'ai appris à ton célestrier à tournoyer lorsque tu appuies sur X. Tu dois utiliser l'attaque tornade pour détruire 10 cibles parmi les rochers devant toi. Si tu parviens à détruire 10 cibles en moins de 120 secondes, tu seras un véritable chevaucheur. C'est parti, ok. Ok. Ça va être long. Ah vas-y là! Allez! Putain, vas-y, on l'a pas eu. Vite! Vite! Ah, il y en a un là-bas. Ok. Ah bah là, il y en a un aussi. Ah mais en fait, il y en avait plus que nécessaire. Ouais, mais faut appuyer sur X de la bonne manière. Assez fort pour appuyer le bouton, mais pas trop pour le casser, pour pas le casser. Oh, tu as réussi à détruire 10 cibles dans le temps imparti. Vous avez brillamment démontré vos compétences. Ton célestrie vermeille et toi. Je t'autorise donc à utiliser l'attaque tornade des véritables chevaucheurs. Il te reste à trouver le grand Narisha. Pour cela, va parler au patron de la citrouille perchée, qui lui offre chaque année de la soupe. Demande-lui donc ce qu'il sait. Ok. Mais avant... Ok, il y a Tyrone, voix magnifique, je suis fan, ne le dis à personne. Ok, mais avant on va booster notre... bouclier. Ah d'ailleurs là, est-ce qu'on peut plonger? Ok, non, c'est encore un truc pour planter des graines. On va booster notre bouclier parce qu'on a enfin une perle d'ombre. Let's go! Par contre, ne me demande plus de perles d'ombre hein, si jamais il faut à nouveau l'améliorer. S'il te plaît. Ok!
Et après, on va se faire une petite pause, parce que je commence à avoir mal aux oreilles avec le casque. Tiens, c'est prêt! Ah, il est plus joli. Bouclier sacré amélioré, de se réparer tout seul, et il est plus résistant. Ok. Ah, le bâtard, il va me falloir 4 perles d'ombre, au secours! Oh, putain! Et 3 plumes d'oiseaux. Bon, les plumes d'oiseaux, ça va, mais 4 perles d'ombre. Putain! Et tout le reste, je crois qu'on l'a... Tout le reste, on l'a amélioré, hein. Oh! Bah alors? Il est où le voyant? Ok, on va peut-être avoir une quête pour le voyant. Ah, mais c'est peut-être la fameuse boule de cristal qu'on a vue hier à l'Anel. Pas à l'Anel, à Ordine. On a pu aller en hauteur au niveau d'une boule de cristal. Ça m'étonnerait pas qu'il faille la lui ramener. Du coup, est-ce que t'es chez toi ou est-ce qu'il faut venir que la nuit? Merde, il est où lui? Il est plus haut. Ouais. Ah oui, voilà, il est là-bas. Je trouve que tu l'as très bien fait. Que j'ai très bien fait quoi? Ne te préoccupe plus de moi. Laisse-moi... Ah bah elle est pétée, sa boule. Laisse-moi mon triste sort maintenant que ma boule de cristal est brisée. Je ne peux plus prédire ton avenir. J'ai l'impression qu'à l'image de ma boule de cristal brisée, mes grands yeux ronds sont troublés. Si seulement j'avais une nouvelle boule de cristal. Mais dis-moi, j'ai entendu dire que tu avais retrouvé une partie du moulin qui était tombée dans le monde d'en bas. Cette boule à présent brisée vient aussi d'en bas. C'est la grand-mère du gérant de l'atelier de rénovation qui l'avait trouvée avant de me la céder. Il y a peut-être d'autres boules sous les nuages, pourrais-tu essayer de m'en trouver une? Eh bah ouais, let's go! Ça me fait plaisir d'entendre ça, je compte sur toi. Le robot de l'atelier... Sur un bâtiment au sommet d'une montagne, ouais, donc c'est ça. Tu peux ajouter la boule de cristal? Non, pas besoin, de toute façon je sais... Vas-y, mets-le, mais... Mets-le, mais de toute façon je sais où aller. Ramène-moi vite une boule de cristal. Le J'ai même pas fait exprès. Je m'entends même pas le faire. Pour te dire. Ok. On va... Il y a quoi là en bas? Est-ce que je suis déjà allé là-bas? Ah, c'est certainement là qu'on a récupéré notre célestrier. On va se faire une petite pause. Et je vous dis à dans 5 minutes. Je vais reposer mes petites oreilles du casque. Et puis voilà. À tout de suite.
Et re... Hop. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais faire. On a amélioré le bouclier. Je voulais faire quoi? Ah oui, la boule du... La boule du voyant. Ok, Ordine, c'est là-bas. Badabada, moi, je leur que je vais manger. Et bah, bon appétit à toi, Kiwi. Moi, là, ça va. Je commence lentement à avoir faim. Mais je mangerai après le live. Ok, on va au temple. On récupère la boule. Et on la ramène. Ok, elle est là-haut. Comment on avait fait déjà pour y aller? Je crois qu'il y a du... Ouais, voilà, grappin. Bon appétit. Salut. J'ai découvert un cristal. Ok, donc c'est ça. Let's go. Oui, il faut que je prenne des plumes de piou-piou aussi. Et par contre, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir des pierres de d'ombre quelque part. Faille de mon cœur, je suis de retour. Ah, c'est ça que je dois porter cette fois? Et le mettre en verre, te fatigue pas trop surtout. Hein. C'est vrai que ça, limite, on pourrait le porter nous-mêmes. Hein. Surtout que bah il le porte, le voyant, pour l'amener de chez lui à sa boutique. Nous attendons le ciel, tardez pas trop. Allez, let's go. Let's go, let's go. Alors, retournons à nouveau à Célestebourg. Et allons chez le poteau. Donc le poteau, hop. Et voilà, une belle boule de cristal scintillante. Une. Si t'as encore besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Pour Faye, j'irai jusqu'au bout du monde. Oh, mais oui, c'est ça. Elle est absolument identique à mon ancienne boule de cristal. Oh, je sens une grande vitalité envahir tout mon corps. Je vais pouvoir reprendre mes prédictions. Reviens me voir au marché couvert si t'en as l'occasion. Je te prédirai ton avenir à prix d'ami. Ah, cool, de la gratitude. C'est ça que je veux. Par contre, je crois qu'il nous a demandé 70, hein, le petit bac là, de Morcego. Ok. Link Dex, bonjour, nous avons votre colis.
Oula, ça lui fait de l'effet. Ah ouais, il est content de recevoir son colis. Surtout que nous, c'est de la livraison plus qu'express, là. Par contre, je me demande. Maintenant qu'elle est amoureuse de nous, est-ce qu'on n'irait pas la voir de nuit? Il y a son père qui disait qu'il y avait un petit voyou qui draguait sa fille. Du coup, je me demande si ce sera pas différent maintenant qu'elle nous appelle mon amour, mon ange, mon cœur, machin, truc mûche. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouvelles quêtes ou pas? Elles non. Ah, je devrais prévenir la truche et truc mûche là, par rapport à Ergo. Tout est fini. Qu'est-ce que tu veux, Link? T'es venu te moquer de moi? Laisse-moi tranquille. Ok. La truche, lui, j'imagine qu'il est peut-être au restaurant, à l'auberge. Ok. On le verra peut-être à l'auberge. Quoique non. Non, non, non. On va le voir puisqu'on va dormir pour aller voir celle qui nous kiffe. Jusqu'à la nuit. Pouet, 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 pouet. Putain, par contre, 4 perles d'ombre, il nous manque maintenant. Ça va être un enfer à trouver. 5 balles, s'il vous plaît. Merci. Ça va être un enfer. Donc, la truche. Ah, mais j'imagine que je vais pas pouvoir te parler d'ergot, tu vas me parler d'insectes. T'as du nouveau pour moi? Il y a 3 insectes qui me font envie. Papillon azur, libellule Gerudo et Luciel. T'en as 8, tiens, je t'en donne 5. Comme ça, on repasse au-dessus de 2000 balles. Allez, ciao! Donc, allons voir l'amoureuse transie. Eux, je crois qu'ils sont dans le village de base. Il n'y a pas besoin de passer le pont. Ils sont pas vers ici. Non, Jonah, c'est celle qui fait à bouffer. Géant de la consigne. Ah, cool. Link, tu tombes à pic. J'ai un souci. C'est ta fille? En effet, on peut rien me cacher à toi. J'ai en effet un grave problème avec ma fille chérie. Son comportement est incompréhensible, elle rêvasse toute la journée, elle vire au rouge et crevisse sans raison. Oh, attends une seconde. Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Un petit important doit lui tourner autour. C'est tout à fait normal quand je pense, avec son caractère charmant et bien sûr, sa beauté sans égale. Les hommes ne peuvent évidemment que la remarquer, c'est naturel. Mais enfin, qu'est-ce que je dis? Un père ne peut pas tolérer ce genre de choses. En voilà un qui va se faire mettre en pièces. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu dois trouver cet Olibrius et lui dire de laisser ma fille tranquille. Je vais garder un œil sur elle, évidemment, mais je peux pas tout voir. Je te paierai, ça va sans dire. Si t'arrives à nous en débarrasser, je t'autoriserai à échanger quelques mots avec ma fille. Pas la peine de répondre, je sais que t'es d'accord. Après tout, qui refuserait une récompense si généreuse? Qu'il laisse ma fille respirer et je pourrai me détendre. Tu es l'homme de la situation, Link.
Ah ouais, elle est vraiment à fond, quoi. Bonsoir, mon cœur, bienvenue. Tu es venu jusqu'ici pour me voir, ça me fait bien plaisir. Je compte sur toi. Ok. Ah, du coup, c'est peut-être une quête qu'on va faire en journée. Ah, laisse-moi tranquille, le 4. Hein. Donc, on va redormir. Flippant, la demoiselle, ouais. Ah ouais, non, mais elle est... Elle est un petit peu obsessionnelle. Très légèrement, mais... La meuf elle-même, alors que je lui ai jamais dit que je l'aimais ni quoi que ce soit. Hein. Alors, bon, dormons. Allons peut-être la voir à la consigne. Merde, ma chambre, c'est là. Par contre, j'ai réussi à récolter des spores de champignons. Spores scintillantes. Poudre produite par les champignons scintillants. Qui sait l'emploi que vous pourriez lui trouver? Et ça, du coup, je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir. Alors, retournons à la consigne avant de partir pour l'auberge aux citrouilles. Pouet, 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 pouet. Après, dans Link to the Past, la poudre champignon, on pouvait la verser sur des ennemis. Ça les transformait en fées. Enfin, du moins certains ennemis. Alors, t'es content, toi? Mais je te reconnais, c'est grâce à toi que mes affaires ont repris du tonnerre. T'as besoin d'une prédiction, c'est moitié prix rien pour toi. Oh, let's go. Je vais chauffer ma boule de cristal, c'est moitié prix rien pour toi. T'es prêt? 5 rubis la séance. Oh oui! Le futur. Je sens, je vois la lumière. On dirait que tu as enfin trouvé la personne que tu cherchais. Je suis content pour toi. Mais je vois que tu as encore des épreuves à passer. Tu dois aller parler au grand esprit qui vole dans le ciel. Demande plus d'informations au directeur de l'école de chevalerie. C'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment. Rien, mais j'ai déjà fait. Hein. Il se fout de moi, lui. Ah! Bonjour mon chéri, je voudrais que tu passes chez moi ce soir, je dois te dire quelque chose. J'habite juste à côté du marché couvert. Tu viendras, n'est-ce pas? Je t'attendrai. En vrai, plus de flèches, c'est pas forcément utile. Un flacon de plus non plus. Ouais, vas-y, non, on reste comme ça. Elle est complètement pétée du casque, elle. Bon, du coup, à cause d'elle, il va falloir qu'on redorme. Vas-y, on va d'abord à la citrouille. Parce que bon, c'est un peu chiant, là, le jour-nuit pour elle, là. Il y a le bambou aussi qu'on pourrait faire désormais.
Alors, est-ce que l'épreuve du bambou, on va la réussir cette fois? Ah, mais c'est son père, j'avais pas capté. Tant que t'es là, tu veux pas massacrer un petit bambou? Vas-y, redis-moi les règles. Il faut couper un morceau de bambou qui se trouve au centre de cette salle. Coupe autant de morceaux que possible avant qu'il ne touche le sol. En fonction du nombre de morceaux que tu auras coupé, tu recevras peut-être une récompense. Alors, tu veux trancher? C'est 10 rubis. Bah vas-y, hein. 12, faut que tu affines encore ta technique. Alors, 26, d'accord, détends-toi, gamin. T'as fait combien de morceaux? Oh, 26! Tu progresses, tu viens de battre ton record, beau travail! Waouh, belle démonstration, on peut dire que tu te débrouilles à l'épée. Tiens, tu l'as vérité. Ok, une corne. Essaye de faire 28! Ah putain, on n'était pas loin! Allez! On n'était pas loin. Ah putain, il faudrait peut-être que je le fasse tout dans le même sens. Parce que là, j'essaye de faire des gauches-droites, mais... Et tu veux pas me donner des perles plutôt, s'il te plaît? Tu veux pas me donner des perles d'ombre? Je vais essayer tout vers la droite. Merde. Ok, donc c'est bien ça, il faut pas. Faut faire des gauche droite, sinon c'est mort. À moins que je puisse me tourner. Merde, merde! Oh, celle-là, ça en a tranché pas mal. Non, mais je m'en fous de tes boules à la con, là. Donne-moi des perles d'ombre. Ok, 28. Ouf, c'était tendax. D'accord, détends-toi, gamin. T'as fait combien de morceaux? Oh, 28, tu progresses. Quoi, il fallait faire plus ou... Même pour une ancienne idole telle que moi, un score comme ça reste plutôt rare. Voilà ta récompense. Mais je m'en fous! Mais c'est tout! T'as même pas de quart de cœur pour moi? À plus, on raconte que celui qui coupe le bambou en plus de 28. Et l'ancienne, c'était... Et lui, c'était 43. Ah, mais 43, c'est mort. Allez! Putain de merde! Il est chiant, vas-y là. Vas-y, on refait. Son chiant à parler. Allez! Mais... Putain de ta mère. Il fait chier, hein. Je dois pas faire le mouvement assez grand. Ou alors je le fais trop rapidement et je sais pas. Allez! Putain!
Ça, c'est relou. Mais c'est relou. Putain, ça veut dire qu'on était à un coup tout à l'heure, quoi. Je suis dégoûté. Allez. Allez. Putain de merde. Bon, au moins, il nous file un peu de pognon, mais bon. C'est l'enfer! Allez! Allez! Putain! Ah, il va me faire rager, hein. Mais je m'en fous de ça en plus. Tu veux pas me donner des larmes d'ombre, s'il te plaît? Allez, calme. Allez, putain, mais... Ah, mais il me brise les burnes! Waouh, je vais découper ton père. Le sel! Ah ouais, non mais je suis deg, il faut que je fasse plus de 28, j'ai fait 28 quoi. Allez, putain, mais pourquoi tu veux pas? Ça me saoule, putain, mais sois ambidextre, bordel. Et ça, je m'en fous. Donne-moi des perles d'ombre. Putain, je sais pas si je vais réussir. Hein. J'ai réussi une fois 28. Allez! Putain, mais il me saoule. Il sait vraiment pas manier sa putain d'épée. Hein. Eh mais par contre, comme ça devait être un enfer sur Wii. Allez! Putain, mais... T'imagines même pas. Ah non, mais rien que là, au stick, j'en chie. Parce que ben il fait pas des coups. Et d'ailleurs je peux pas cibler en vrai. Allez. Allez. Allez, putain. Non. Mais non, je vais pas me détendre. Putain, 24 quoi. Allez! Putain! C'est vraiment un enfer, hein, ce bordel-là. Et d'ailleurs, si je le coupe en deux... Je ferai deux fois plus de trucs. Je ferais peut-être mieux de le fendre en deux d'abord. Ah, ça peut peut-être, je sais pas si ça a compté. Si je le fends en deux d'abord. Allez, putain de ta mère là! Mais en plus, ça marche même pas. Putain, ça me rend dingue.
Allez, putain! La fin, ça tombe. C'est un enfer, là. Je suis sûr qu'en plus, c'est un... Et franchement, par contre, s'il n'y a pas de quart de cœur comme hier, là, mais je deviens dingue, hein. Allez! Putain! Et si je fais que des... Si je fais que des attaques tornades, là, tourbillon, ça donnerait quoi? Allez, putain, d'accord, il est crevé après. Tu veux que je te fasse gagner du temps? En me disant quoi, qu'il n'y a pas de quart de cœur? Que ça sert à rien? Bim! Il n'y a pas de quart de cœur ici, juste des trésors. Progresse, tu viens de battre ton record. Impressionnant, même pour une ancienne idole, voici ta récompense. Ok, d'accord, c'est pour ça un super trésor. C'est parce que du coup, au-dessus de 28, c'était une poussière de déesse. Ok, bon bah, au moins c'est fait. GG, mais GG, merci, merci. Bon, au moins, c'est... On l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, donc tant mieux. Tout comme hier, on a fini par réussir les rubis. Pouette, 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 pouette. Merde, c'est où la citrouille? Ah, c'est là. Ah! Par contre, on a un coffre chez... Ok. Et un autre là-bas. Ok, ok. On va récupérer ça. Hop. Ok. Donc, on va aller à droite. Donc, citrouille. Pumpkin Jack. En fait, avec les quêtes secondaires, ça prend du temps. Loupé. À nous demander. Salut, merci encore pour ton aide de l'autre jour avec les citrouilles. Nous sommes presque prêts à planter des nouvelles. Le problème, c'est qu'il faut d'abord labourer la terre et toute seule, c'est pas facile. Mais où pourrais-je bien trouver quelqu'un qui sache labourer? Bah, moi. C'est vrai, faut vraiment que je fasse venir cette personne ici. Si jamais tu la croises à nouveau, ce serait gentil de me l'amener. Tu veux bien? Mais je sais pas de qui tu parles.
probabilité que cette quête ait un rapport avec l'obtention de cristaux de gratitude est de 90%. Je peux ajouter l'individu capable de labourer les champs. Ah bah, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Hein. Ouais, mets-le. J'espère que tu ne dis pas ça uniquement pour me rassurer. Bon, un peu d'optimisme n'a jamais tué personne. De toute façon, j'attendrai patiemment ton ami ici. Ah, c'est peut-être un Mogma, du coup. Est-ce que c'est une pierre, ici? Ok. On raconte que si l'on dessine de l'argent sur les murs mystérieux, on peut devenir très riche. Super. Du coup, va falloir que je lui dégote un Mogma, je pense. Waouh, c'est quoi ça? Putain. Et si t'arrives, je sais reconnaître le visage d'un jeune homme perturbé. Et toi, gamin, t'as l'air perturbé. En fait, Narisha? Je connais bien Narisha, en effet, mais je ne savais pas qu'il avait des ennuis. Tous les ans, je lui apporte une grosse marmite de soupe de citrouille pleine à ras-bord. Ok. Mais avec ce gros nuage, je ne peux plus me rendre là-bas. Résultat, Narisha n'a pas eu de soupe cette année. Ça m'ennuie énormément. Que dis-tu? Tu veux bien apporter ma soupe à Narisha? Je ne vois pas comment tu comptes régler le problème du nuage, mais bon. Si c'est à Narisha que tu vas essayer d'apporter ma soupe, je vais faire la meilleure qui soit. Attends-moi ici, je viens d'être saisi d'une irrésistible pulsion de création culinaire. Ok. Et voilà! Oh, c'est la même musique que dans Breath of the Wild. Ça fait des décennies que je suis dans le métier, mais tu peux me croire, c'est la meilleure soupe de citrouille que j'ai jamais faite. Maître, je vais immédiatement convoquer le robot. Faye, ma beauté bleue, me voilà! Ok, du coup, j'ai pas le choix, faut que j'aille dans le nuage, quoi. Eh ben voilà une cargaison qui pèse son poids, hein. Mais je ferai n'importe quoi pour Faye. Bon, je t'attends dehors. On part quand tu veux. Ouais, mais moi, je voulais pas. Je voulais finir la quête... de l'amoureuse. J'apportais toujours ma soupe à Narisha sur la petite île avec un arc-en-ciel à l'intérieur du gros nuage. Tu la reconnaîtras tout de suite en la voyant. Bonne chance. Ok. Pas mal de bruitages de Skyward Sword sont repris dans Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Ah, il y a quelqu'un qui parle là aussi? Ah non, j'ai rêvé. J'avais cru voir une bulle. Est-ce que je peux te parler d'Ergo? Ça trop d'insectes, ouais, la nuit, ok. Ok, ok. Donc... En vrai, est-ce que je suis obligé? Genre là, il va me suivre ou... Ouais, ok, il me suit. Mais est-ce que je peux... Je me demande si je peux aller dans le... Si je peux faire autre chose, genre aller à l'école et dormir, ou s'il va m'emmerder. J'adore. On le fait bugger de fou là le robot. Par contre, tu m'emmerdes un peu hein, niveau caméra là. Je vais te le faire porter jusqu'au bout de la map, ça te fera les pieds.
Allez, 300 balles. Pouet, 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 pouet. Donc, l'île arc-en-ciel, ouais, mais j'ai envie d'abord d'aller chercher. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. D'abord chercher le coffre. Ok. Quart du cœur. Tiens, il nous manque un seul cœur. Il nous manque un cœur. Est-ce qu'on l'aurait pas à la fin d'un boss? En vrai. Est-ce qu'on l'aurait pas à la fin d'un boss? Oula! Ah d'accord, parce que... elles étaient là. Ça sent la course ici. Ah merde. Par contre, du coup, là... ça sent la course. Est-ce que je peux le pousser du coup vraiment? Ok. Là c'est mieux, non? Ouais, ça sent vraiment la course. Mais bon, on verra, il y aura peut-être quelque chose une fois qu'on aura aidé Narisha. Ok. Ah, et genre là, qu'est-ce qui m'a remis là sur en place?
puisqu'on voit pas d'élèves. Bon, allons sur l'île. Sur l'île. Arc-en-ciel. Il va râler parce que la soupe est froide. Bon, j'y vais, bonne fin de stream tout le monde, des bisous Kibli, bonne soirée à toi. J'espère que tu as bien mangé, et merci d'être resté jusque-là. Comment tu fais un arc-en-ciel sans lumière? Bon, il y a un peu de lumière quand même, on se voit là, regarde, il fait jour. Bon, je dépose la soupe ici, c'est pas très rassurant comme endroit. Allez, je me sauve. Oula, par contre, là, ça devient sombre. Bonjour. Vous avez les yeux un peu rouges, monsieur. Et vous avez des yeux dégueulasses. Plein de bisous. Avec la pluie, la soupe va être toute diluée. Ouais, elle va être dégueulasse. Elle va être froide et pleine de flotte. Bonjour, monsieur. Attendez, j'arrive. Est-ce qu'il faudrait pas que je vous défonce les nœuds? Aïe! Ok! Aïe! Ah putain, par contre, il fait mal, hein! À chaque fois que je le touche, là... Eh ouais, tu m'as vu, Neneuil. Merde. Eh merde. Ça, c'est chaud. Ok. Putain, comme il fait mal. Bon, c'est occupé du côté droit. Let's go le côté gauche. Aïe.
Hey, il est tendax, hein, le gars. Ok. Ok. Ah putain, il y en a encore. Ah, mais t'es dégueulasse. Ah, mais c'est le truc qui le... Ok, ouais. C'est le truc qu'il possède. Bonjour. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ok. Parasite aux yeux géants. Je peux te faire mal ou faut que je te tire des flèches? Ah, ok. Il faut que je te les renvoie dans la gueule. Je peux pas viser ton aile. Parce qu'on dirait qu'il faut que j'éclate ton aile. Je sais pas comment je vais faire. Ah ok, en tirant vers la gauche tout simplement. Bim dans ta gueule. Ok. Ok, donc dans les ailes d'abord. Ça y est, j'ai compris. Et dans ton œil. Ok. C'est un petit peu redondant. Ah, je lui ai mis mon truc dans... Ok. Mais pourquoi il veut plus? Bah, mais c'est la manette qui a plus de pile, quoi, là. Bim, dans ta gueule. Eh, mais du coup, ça lui fait mal, ça. Ok, je crois que je l'ai tué. Mais je crois que je l'ai tué grâce à mes ondes aussi, que je l'envoyais avec le... Avec l'épée. Et tu veux pas me donner un cœur, s'il te plaît? Il m'en manque juste un. T'es en train de t'écraser, là? Je t'ai buté ou je t'ai sauvé? Il a les écailles douloureuses, le coco. Ben ouais, mais c'est ça l'arthrose des écailles. Hein. Dans tous les autres jeux Zelda, t'aurais eu l'arc pour ce genre de passage.
Ouais, j'ai hésité justement à me servir de l'arc pour son œil, mais quand j'ai vu qu'il envoyait des trucs. C'est toi qui m'as apporté ma soupe de citrouille préférée, petit humain! Après avoir été possédé par cette atroce créature, j'ai perdu mon esprit. Mais cette soupe que j'aime tant me rappelle celui que j'étais. Merci, petit humain, je suis Narisha, le grand esprit qui veille sur les cieux. Je servais la déesse Ilia, aujourd'hui disparue. Tu t'appelles donc Link, petit humain? Tes parents t'ont donné un très joli nom. Oh, mais cette épée et ce pouvoir en ton cœur. Link, tu es donc le héros élu par la déesse. J'en déduis que tu es venu me parler de la Triforce. Ouais. Je m'en doutais. Très bien, je vais te dire ce que je sais. Comme tu le sais sans doute, lorsque les serviteurs du mal ont essayé de s'emparer de la Triforce, la déesse a tout fait pour les en empêcher. Elle a donc caché la Triforce à Célestebourg dans un endroit connu d'elle seule. Je ne sais donc pas non plus où elle se trouve. Mais la déesse m'a laissé un indice. Et c'est le chant du héros que tu peux jouer avec ta lyre, petit humain. Le chant du héros est la clé qui mène à l'endroit où la Triforce est cachée. La déesse a divisé le chant en 4 mélodies. Et en a donné une à chacun des 3 dragons ainsi qu'à moi-même. Tu dois donc rassembler toutes les mélodies du chant du héros. 3 dragons? J'en connais qu'un, moi, le dragon de flotte. Lorsque tu auras obtenu les 3 premières, je compléterai le chant en te chantant la dernière. Ah genre, tu peux pas me la donner de suite, quoi. Bien, les dragons se trouvent dans la forêt de Firon, au volcan d'Ordine et au désert de l'Anel. Va les trouver. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Ok, ok. Par contre, il fait beau maintenant. Il fait beau. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. Et du coup, ta petite souplette là. Ok, donc rebelote. Il va falloir retourner chercher les dragons, quoi. Ok. Bon, le dragon d'eau, c'est simple. Par contre, les deux autres... Ah, mais c'est les endroits où je suis jamais allé. C'est... Oh, classe avec Narisha, là, maintenant. Ça va être les endroits où je suis jamais allé. C'est-à-dire les mines de l'Anel, là en bas, il y a un morceau de carte qui nous manque. Et au volcan, il y a un endroit où je ne pouvais pas aller plus loin. Ils mangent pas en public, mais enfin, coquin, coquille. Bah oui, c'est vrai, excuse-moi. J'avais oublié que les dieux étaient timides. Enfin, en l'occurrence, c'est pas un dieu, c'est un sage. Donc... Il va nous falloir un Mogma pour la citrouille. Il va falloir qu'on aille voir l'autre la nuit. Limite, j'ai plus envie d'aller à l'Anel parce que on dirait qu'il y a vraiment une grande partie de cartes à découvrir. Ouais. Alors, jusqu'à la nuit, on va aller voir l'amoureuse. Ouais, j'ai bien envie d'aller à l'Anel. Ça a l'air d'être vachement plus grand.
Quoique, ce sera peut-être du coup pour le prochain stream. Voilà, on va peut-être faire 2-3 conneries. Donc on est bientôt à 3 heures de stream. J'ai pas envie de manger à plus de minuit comme hier. Et j'aimerais bien me coucher tôt. Parce que avec les travaux là, les couvreurs, ce matin à 8 h du mat, il y avait une bétonneuse dans laquelle ils balançaient des tuiles. Ça m'a rendu mais dingue. Du coup, en me couchant à 2 h du mat, être réveillé à 8 h par les travaux, c'est un peu moyen. Du coup, je me dis si j'arrive à me coucher à minuit pour me lever à 8 h, ça pourrait être bien. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit. Bye à tous. Des bisous à Lyonis. Passe une bonne nuit. De toute façon, moi, je vais pas tarder non plus. Je vais couper le stream d'ici 10 minutes, je pense. Et des bisous. Sinon, peut-être que demain, je lance un live, mais en journée, par contre. Demain soir, c'est sûr que non. Dimanche, c'est sûr que non aussi. Puisque je serai pas là. Possiblement demain en journée. Sinon, après, ce sera lundi. Voilà. Des bisous. Link, tu es venu, merci. Voilà, il y a quelque chose que je dois absolument te demander. Mais surtout, ne te braque pas. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu travailles bien. Mais je ne t'ai peut-être pas posé la question comme il fallait. Bon, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce qu'on lui dit? Une fille adorable ou la fille de la consigne? Parce que bon, elle est adorable. C'est la fille de la consigne aussi, mais une fille adorable. Comme je suis heureux, je n'arrive pas à y croire. Dis-le-moi encore juste une fois. Je te plais, c'est vraiment, vraiment vrai? Bah non. T'es juste adorable. Mais alors, je te plais pas du tout. Et je suis rien de plus pour toi que la fille de la consigne? C'est vraiment ce que tu penses? Mais non. Oh, merci, je t'aime tellement, mon chéri. Pardon d'avoir douté de toi. Mais je sais. Tu as des choses bien plus importantes à gérer en ce moment. Ton destin t'attend, tout ça. Je le vois bien, tu viens toujours déposer des choses à la consigne. Ne t'en fais pas, je ne te tourmenterai plus avec cette histoire. Je vais faire de mon mieux pour t'offrir le meilleur service possible à la consigne. Mais quand tu auras terminé ce que tu as à faire, alors je pourrai te présenter à mon père. Mais j'ai jamais dit que je t'aimais, hein. Mais pour l'instant, notre histoire doit rester secrète. Je te verrai à la consigne. Non, mais elle a craqué, elle. Bon après, tant mieux, elle nous file 5 cristaux. Je suis heureuse que tu m'aies parlé de tes sentiments. Mais j'ai jamais parlé de mes sentiments. Hein. Elle a craqué son slip, elle. Ma fille non plus n'est pas dans ton assiette, je me demande ce qui la préoccupe. Ouais. Elle a craqué son slip, elle. Le chat, casse-toi. Du coup, merde. Il nous faut un Mogma. Il nous faut un Mogma pour la citrouille. Pouet, 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 pouet. Est-ce qu'on avait d'autres quêtes? Ça se trouve, c'est les deux quêtes qui nous restaient. Vu qu'il voulait 70, ça se trouve, c'est 70 le maximum. Un Mogma, du coup, faut aller à Ordine. Jusqu'au matin. Mais je crois pas qu'on ait eu ne serait-ce qu'un seul Mogma qui nous ait dit qu'il voulait être jardinier. Hein.
Pouette, pouette, pouette. Ouais, eux, ils sont toujours in love. Elle, y a rien. Y a qui? Le blond, du coup, il y a que dalle. Le père, on va revoir un petit peu. Ok, il a rien à nous dire. Arfan. On dirait qu'il s'en fout aussi. Ah non! Tiens, Link, alors tu as pu parler avec le grand Marisha? Je vois. Tu as vraiment quelque chose de différent des autres. Toi et ton célestrier vermeil, vous devriez pouvoir vous en sortir. Le chemin sera encore long et semé d'embûches, mais tu ne dois pas baisser les bras. Mais dis-moi plutôt, voudrais-tu écouter Marquette? Ah! Comme tu le sais, je suis le plus grand collectionneur de plantes de Célestbourg. Enfin, c'est moi-même qui me suis décerné ce titre. Mais il semble que ma collection contienne désormais tous les types de plantes que recèle ce village. Je me demandais donc s'il ne serait pas possible de découvrir de nouvelles plantes quelque part. Alors, tu ne voudrais pas trouver une plante qui surprendrait tout le monde? Bah, je vais essayer. Je savais que toi, tu écouterais ma requête. Apporte-moi une plante rare que personne n'a jamais vue auparavant. Bah, tu veux pas une... Je peux ajouter la plante que recherche cette personne à la liste des cibles que vous pouvez détecter. Quoi, si vous êtes à la recherche d'un autre objet pour quelqu'un d'autre? Ah merde! Pas encore, du coup. Merde! Ok. Tant que j'ai pas ramené le Mogma, je peux pas lui parler à lui. Ok. Du coup, ça va être un truc à transporter. Moi, je pensais que c'était la fleur ancienne, que ça suffirait. Mais il faut croire que non. Ça va être un truc avec le Récupix. Pouet, 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 pouet. Vous savez quoi? Je pense que pour terminer, on va aller voir ce petit con là. Et on va essayer d'avoir les 600 ou 500 ou je sais plus combien. Merde. Putain. Ah, secours, quoi. Ah, mais j'y arrive plus. L'enfoiré. Putain de bâtard, quoi. C'est vraiment un enfoiré, en fait. Quatre cent trente. Ouh, par contre, il nous donne des perles d'ombre, lui. Ah. Ok, du coup, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup, mais bon, on fait chier quand même, quoi.
Ok, on a cramé celle qui va des fois 2. Ok. Putain. Putain, j'arrive plus là à viser. J'ai la manette à fond en l'air là. Putain. Dégoûté. C'est une horreur la visée quand la manette se bloque. Ok, on a refait 420. Est-ce que tu nous redonnes une perle d'ombre? Ah putain! Du coup, d'ailleurs, lui, il nous donnerait quoi avec 600? Ah, ça se trouve, c'est pour nous donner une poussière de déesse aussi. Ça se trouve, je me fais chier pour rien. Merde. Alors, foiré. Putain, mais t'es vraiment un bâtard à les lancer comme ça. C'est vraiment un enfoiré, lui. Ah, 440. Ah, cool, une perle. Allez, encore 5 minutes. 5 minutes et on s'arrête. Donc. Concentration. Ah d'accord. Putain.
Ok, on a dépassé les 600. Ok, 800, on lui a mis dans la tronche. 800 points, vraiment impressionnant, Link. Tu es vraiment la fierté de l'école de chevalerie. Accepte ceci en gage de notre amitié. Oh, il y avait le quart de cœur avec lui. Ok, donc ça veut dire qu'il reste 3 quarts de cœur planqués à droite à gauche. Pour avoir le maximum de cœur. Ok. Il nous faudra 2 perles d'ombre. Bien joué, Coquille des Bois! Merci, Cosmique! Bah, du coup, vous savez quoi? On va essayer. On va pas essayer de ravoir 600, mais on va essayer d'avoir 2 perles d'ombre. Et avant de couper. Donc 2 perles d'ombre, c'est 400, je crois. On va essayer. Ça y est, il commence à lancer comme un bâtard. Ça y est, il fait le petit bat. Ok, bah là, du coup, ça y est, il y a plus de trucs et on arrive à 600, quoi. Genre, on en chiait et là j'y arrive 2 fois de suite, quoi. Super. Salut bande de gens doux et soyeux, comment ça va ici? Bah ça va super, et toi Clélinou? Comment vas-tu? Tu es vraiment la fierté, ouais, du coup tu me donnes quoi? Plume bleue, j'en ai rien à péter. Alors là, mais d'une force. J'aurais dû rester à entre 400 et 600. Ça va bien parce qu'on vient de réussir à avoir le quart de cœur avec Monsieur Célestin. Là, j'essaie juste d'avoir des... Faudrait que je reste au-dessus de 400, mais en dessous de 600. J'essaie d'avoir des perles d'ombre. Parce que malheureusement, j'en ai pas beaucoup pris dans les Psysalis. Et il m'en faut pour... Pour upgrade mon bouclier. Donc voilà. Merde. Allez, faut qu'on soit à 400. Pour espérer avoir une perle d'ombre. Merde! Ça y est, il commence à envoyer comme un petit bâtard de l'espace. Ok, c'est bon. On a dépassé les 400. Bah ça va, ça va.
440, toujours exceptionnel. Mais je m'en fous du minerai, putain. Et pourquoi tu me demandes encore 600 et plus? Je m'en fous de 600. Putain, moi je veux des larmes. Oh, The Hermit. Alors attends, je m'en occupe juste après. Merde, j'ai loupé. Yeah, 50 fois 2 en plus. Ça y est, petit bat en action. C'est pas grave, on est à 400. Ok. Du coup, est-ce que tu me donnes une larme d'ombre? Putain, mais il me donne plus que de la merde d'ordine. Ça se trouve, il peut plus m'en donner. Ça se trouve, il en avait que deux. Alors, du coup, Clédinou, tu as pioché la carte de l'ermite, ce qui nous donne l'ermite, arcade 9, célibat, chasteté. Je suis désolé, Clédinou. Désolé. Voilà. Tu vas être un ermite, célibataire et chaste. Je suis totalement confus, mais les cartes ont parlé. Du coup, allez, dernier coup. Et ensuite, on se fait un petit raid. Parce qu'il commence à se faire faim. Et si je veux me coucher vers minuit, ça serait pas mal. Allez. Ah ouais, carrément quoi, le bâtard. L'enfoiré quoi. Ah merde, par contre j'ai dépassé les 400 là. Allez, 950, on a failli arriver à 1000. What? Comment ça? Rembourse! Ermite me veut du mal. Et en plus, le pire, c'est que c'est même pas une carte inversée que t'as tirée. La carte inversée, c'est encore plus négatif, normalement. Nuit blanche coquille! Ah non! Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que plus je me couche tard, plus je me réveille tard. Mais comme il y a les couvreurs qui font des travaux qui font un boucan monstre, au final, je dors plus, quoi. À cause du boucan qu'ils font. Ok, poussière de déesse. Normal. Et ben voilà. Voili, voilou.
J'ai l'impression qu'il va peut-être plus nous donner de perles d'ombre. Du coup, il m'en manque deux. Il nous faut aussi des plumes de piou. Et puis voilà. Bah, allons sauver. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bim! Et la prochaine fois, bah, du coup, on partira à la recherche des dragons. Mais aussi, on a la quête des Mogmas et la quête de trouver une plante, donc certainement dans la forêt. Et puis voilà, la quête de l'anel, c'était peut-être la roulette, quoique je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu dors à la plage. Ouais, je vais me faire dépouiller si je dors la nuit à la plage. Mais ma situation, cancel l'ermite. T'es en couple? T'es en couple? Après, ça dit pas rupture, hein. Ça parle de chasteté, donc si t'es en couple, il y aura peut-être une petite période d'abstinence. C'est tout. Juste ce soir. C'est juste, voilà. C'est une carte journalière. Ne t'inquiète pas. Voyons voir. Ce soir, tu te la mets derrière l'oreille, c'est tout. Pas possible, non! Alors. Voyons voir. Tac, tac, tac. Pas moi, s'il te plaît, bientôt fini. Okidoki. Okidoki. Il y a Coach qui voyait et qui me prévenait, genre, ne me rate pas, j'ai bientôt fini. Elle ne le saura pas, Clélinou. Je crois en l'âme des cartes, du coup. Pourquoi? Parce qu'elle vient de te dire que non, c'était mort ce soir. Qu'elle avait ses règles, donc c'était impossible. Du coup, voyons. Chez qui nous allons partir? Trop out! Alors, on a Coffee Mood qui est sur Paper Grinder. Donc, Coach, lui, il va terminer. On a Brume qui est sur Hades. Ah, Linky, elle a pas terminé, hein. Vous savez quoi, on va rendre l'appareil à Linky qui est sur Link to the Past. Nous, on n'est pas prêt de le faire de suite. Ça fait déjà 5 heures qu'elle est dessus. Mais justement, je pensais qu'elle aurait peut-être fini avant moi. Et bah du coup, on va lui rendre l'appareil par rapport à hier. Les règles, c'est une fausse excuse, il y a encore le chemin. J'étais sûr que quelqu'un en parlerait. J'étais sûr. Moi, j'en ai pas parlé, mais je me suis dit, je vous mets son petit nom ici. Si jamais vous êtes expulsé, on va passer sur l'écran de fin. Je vous fais des bisous. Comme je disais tout à l'heure, possiblement un stream demain en journée. Demain soir, c'est sûr que non. Dimanche, c'est sûr aussi que non. Lundi soir, il y en aura certainement un, mais voilà, s'il y en a un demain, ce sera en journée, ce sera pas le soir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à toutes chez Linky, et du coup, bah, peut-être à demain. Des bisous!